Yo tout le monde, c'est Xeleko et bienvenue à nouveau sur une vidéo de Pokémon XY. Aujourd'hui j'ai la patate parce qu'on va aller chercher Xerneas, je pense qu'il doit plus être très loin. Donc là on va plus s'arrêter, c'est pas un fake. Nous en étions à échange miracle. Non, je veux pas faire d'échange miracle. Laissez-moi tranquille. Donc nous sommes revenus à Illumis, la capitale donc, qui représente Paris. Et nous étions, enfin j'étais plutôt hein, parce que je ne jouais pas, dans le bar de la Place Rose. Voilà, il y a la petite entre secrète. Alors j'ai fait tout le tour un petit peu moi-même pour débarrasser tous les dresseurs, etc. dans le labo de Lysandre. Il y a juste un truc que j'ai pas trouvé, c'est tout en haut à droite par là. Enfin vraiment quand vous êtes... Il y a un joueur, enfin pas un joueur, un PNJ. Je ne sais pas comment il y accède, mais vraiment tout en haut. Hein. Donc c'est bizarre. J'ai chopé la clé d'ascenseur sinon... Il me reste juste un PNJ que j'ai jamais réussi à trouver comment y accéder, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, on continue. Alors là, nous sommes le matin, je me réveille, c'est peut-être pour ça que j'ai encore un petit peu la voix rauque, excusez-moi. On va essayer de se réveiller tout en douceur. Psy, c'est inefficace sur ténèbres. Psy est inefficace sur ténèbres. Ok, c'est bon. On est réveillé. Oh, je déconne. Écoute-moi. Oh, c'est le monsieur de 3 mètres, là. Toi qui t'opposes à Lysandre, tu dois m'aider. Oh, cinématique. Cette musique de fou. Juste trop beau, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, cette musique... Enfin, les mecs qui travaillent sur Pokémon ont toujours été très forts, c'est abusé, mais...
Cette musique était tellement remplie d'émotions. La clé, reprends-lui la clé. Elle ne doit pas être utilisée. Tout va disparaître encore. Souhaites-tu vivre comme moi dans l'incertitude permanente, dans l'horreur de la fin qui ne vient pas? Je te présente Azed. Ce monstre de foire porte le même nom que le souverain de la légende. Pour une raison qui m'échappe, il avait même la clé de l'arme suprême autour du cou. Les voies de la Providence sont impénétrables. Et trêve de bavardage, il est temps de me rejoindre dans mes quartiers. C'est le mec, quoi. Faut pas... Elle a le même nom, elle a la même clé, c'est bizarre, elle a la même tête, mais on sait pas qui c'est. Donc là, faut que j'aille le libérer. Ah, il y a un moins 3 maintenant. Problème, soit une grande quantité X de Pokéball à laquelle nous ajoutons Y Pokémon rassemblés ici et envoyés là. Le tout est égal à la fin de nos préparatifs. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Je compte sur toi. L'un de ces deux interrupteurs commande le réveil de l'arme suprême. Puisque tu es l'élu de Platane, il me semble juste de t'offrir la possibilité de changer le cours du destin. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Oh là là, ils ont pas été la chercher loin celle-là, hein, Spider-Man? Réveilleras-tu l'arme suprême ou la scelleras-tu à jamais au fond des poubelles de l'histoire? Faut que je choisisse. Ah, alors la voilà, notre irréductible équation. J'ai besoin de plus de données, plus. On va voir si tu es vraiment irréductible. Ah, pas le choix, ok, d'accord. De cet enfer, c'est easy ça. On commence par une danse Draco. Parce qu'il a rien pour Moes, hein, je pense. On va voir. Augmente mon attaque et je monte ma vitesse. Lame d'air. Oh bah une deuxième lance Draco hein, si j'ai esquivé, vas-y. Lame d'air, je pense pas que c'est mauvais, ça doit pas une grosse attaque. Oh, trop beau. Pff, je pourrais même faire une troisième danse Draco. Allez, une troisième danse Draco, histoire d'être sûr. Je place mon Léviator dans ce combat. Et maintenant, mon Léviator est placé, c'est fini. Crogif qui devrait être super efficace vu qu'il est vol, il me semble. Bing, OS. OHKO, comme on dit dans le jargon. Niveau 49. Panda Barbare monte niveau 57. Marteau point. Je vais regarder ce que c'est. Précision, réduit la vitesse du lanceur. Ouais, non. Hop, pas de marteau point pour moi. Meditica monte niveau 15. Ah, j'ai totalement oublié. J'ai changé un Pokémon avec un ami pour lui redonner son Brazegali qu'il m'avait confié. Parce qu'il a recommencé sa version et j'ai totalement oublié de reprendre mon Pokémon. Oui, bah tu vas oublier. Patience. C'était pas prévu ça, on va aller le changer après. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Je connais pas, j'ai jamais vu. C'est une tête à être un poulpe haut. Poulpe glace peut-être. Psy, ténèbres. Elle a une tête de Dark Poulpe, hein, quand même, hein. Allez, Crogivre, on va voir. Ok. Ouh. C'est la win! Oh non, il a esquivé l'attaque! Ah, shit.
Avec ce peu mon Dimoclès. Hein. Eh ouais, c'est KO. Je sais pas quel type il était en fait, j'ai toujours pas trouvé. Karchak Croquemont niveau 59. Bah, du coup, je suis en train d'XP le Pokémon là. C'était l'imprévu du jour. Comment tu es incroyable et tes Pokémon encore plus. Eureka, Eureka! Ta victoire et ma défaite sont égales à l'accès de précieuses informations. Il y a 3000 ans, très exactement, l'arme suprême a permis de mettre fin à la guerre dans Kalos en une picoseconde. Si nous utilisons son immense pouvoir à nouveau, nous pourrons nettoyer Kalos de la pourriture humaine qui y règne. Il y a deux interrupteurs derrière moi, un bleu et un rouge. L'un des deux active l'arme suprême. Une équation, deux inconnus. Dilemme, dilemme, choisis-en un. Alors on fait péter le monde ou on le sauve? On fait péter le monde ou on le sauve? Gauche? Droite? La réponse est simple. Je parierais que, étant donné que la Team Flair sont des mecs qui s'habillent tout le temps en rouge-orangé, là, chelou, bah, à mon avis, le détonateur, il est de la même couleur qu'eux, quoi. Donc, à mon avis, celui-là, pour sauver la planète, ça doit être le bleu. Voulez-vous activer l'interrupteur bleu? Oui. Xeleko appuie sur l'interrupteur bleu. Il a fait son choix, il a fait son choix, et voilà le résultat! Félicitations, c'était le beau bouton. Enfin, ça ne change rien parce que c'est moi qui vais activer l'arme de toute façon. Notre leader a dit qu'il te permettait de changer le cours des choses, mais je ne te laisserai pas faire. À moi, l'allumage à distance, c'est fou ce qu'une bête radio-commande peut faire, non? L'écran, regarde! Oh, cinématique. Deux cinématiques de suite, là, je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça, si ça sent pas le légendaire, je sais pas ce que c'est. Alors, si j'ai commencé à filmer, c'est parce qu'en fait, il parlait tout le temps de deux Pokémon dont il puisait l'énergie, dont un Pokémon légendaire, donc je me suis dit qu'on devait y arriver bientôt, je pense. Alors tu as vu, tu y crois maintenant, l'arme suprême est ressuscitée, la fleur vénéneuse s'épanouit telle une fractale de mort. Oui, la fleur qui effacera du globe toute vie, à l'exception de la Team Flair. Oui, ma belle fleur mortifère, couvre Krollmak de ton ombre. Problème, soit le rêve de notre leader réalisé, multiplié par la naissance d'un nouveau monde, quel en est le produit? La victoire de la science, pardi. Toi, tu te feras pendre haut et court, ok? Allez, on se casse. Parce que nous, on a un monde à sauver. On va aller voir si on peut libérer le gros monsieur, du coup, là. Il faut retrouver la clé. Là, en attendant, l'arme suprême a été activée, donc je pense qu'il faut retourner à la ville où laquelle il y avait en fait stocké toutes ces pierres là. Ces pierres immenses. On va y aller avec vol. Et du coup, je vais faire un petit passage
un petit passage au centre Pokémon quand même, un petit peu, histoire de récupérer ma vraie team, enfin au moins mon Ronflex quoi. Ah non, non, non. Non, faute de goût ça, faute de goût. Je suis désolé, on est dans un truc où le monde va bientôt périr. Quand on sort de la caverne, il y a une petite ambiance glauque, mais quand on arrive dans l'Imis, faudrait pas remettre cette musique, quoi. S'il vous plaît. Pas de musique toute joyeuse, là. Ça va être la fin du monde, quoi. Mettez-nous un truc un peu plus stressant, qui nous met la pression, dire si on se dépêche pas. Oh, parce que là, avec cette musique, on a un petit peu l'impression de dire, bon, bah ok, je vais aller faire mes courses. Allez, je vais faire mes courses tranquille. Ah non, là c'est un petit peu dommage. Tout petit peu dommage. Bon, on va les voler. Donc, jusqu'à la prochaine ville. Pokémon. Alors, est-ce qu'elle était? Ah, c'est celle-là avec les pieds. Donc à la base dans cette ville, en fait, il n'y a rien. Il y a beaucoup de pierres qui représentent donc les Pokémon qui seraient à l'intérieur, procurer une certaine ressource. Vous voyez, hein, c'est beaucoup de pierres. Et du coup, il y a cette grosse fleur qui est là. Ok. Ah, il y a la Team Flare partout. La Team Flare sera seule survivante, comme l'espadrille, elle survivra à tous les cataclysmes. Du coup, est-ce que je peux aller dans le chemin maintenant? Parce qu'il y avait un chemin qui ne menait à rien. Oh là. Félicitations pour être arrivé jusque-là. J'espère que tes Pokémon sont prêts pour leur dernier combat. Non, parce que ça va pas être le dernier ici. Faut pas me prendre pour un branquignol. Elexprint. Ouais, je vous l'accorde, Elexprint, c'est pas très très bon contre l'Eviator. Morsure, bon, ça se passe. On va à l'OS et puis voilà. Hein. Ronflex monte niveau 51. Bagade. Oh mais il est trop puissant aussi. Karchalol est trop puissant. C'est n'importe quoi, Karchalol. Tu pourrais les laisser un petit peu attaquer. Ah là 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 là. C'est pas juste. Monsieur Lissand a toujours fait en sorte de réaliser ses rêves, n'est-ce pas admirable? Ah, la dernière fois qu'il avait fait ça, il s'était donc évaporé par là parce qu'il n'y avait que des pierres. Xeleko, je te suis! Quand j'étais dans les laboratoires, Lissandre, le héros masqué, m'ont dit que la Team Flare comptait utiliser l'arme suprême. Il faut absolument les arrêter. Et Monsieur Lissandre, ils sont fous. Le monde n'est pas cette chose corrompue dont ils parlent. Donc ça, il n'y avait pas de porte avant. Donc maintenant, il y en a une. L'entrée secrète. Elle vient l'autre ou pas là? Bon, tant pis, je descends. Il y a tant de combats, c'est chelou. Ah non. Il y a 3000 ans, l'arme suprême a été utilisée et elle a causé la disparition de nombreux Pokémon. Les Pokémon attachés aux pierres de la route 10 servent à alimenter l'arme suprême, d'accord. J'ai confiance en Monsieur Lissandre, mais je suis un peu inquiète pour le futur.
J'ai été sauvé grâce à l'aide de Monsieur Lysandre. Oui. Nous utilisons l'énergie d'un arbre spécial pour alimenter l'arme suprême. Point. Alors arrêtez vos salades sur les Pokémon qui souffrent pour la science. L'arme suprême est parfaitement opérationnelle. Il ne reste plus qu'à la charger en y transférant toute l'énergie de notre source. Si l'humanité ne peut être heureuse, comment être soi-même heureux? Hélas, le monde est surpeuplé. Humains, Pokémon, il faut faire quelque chose. Ça sent le combat final, ça. Il va falloir sauvegarder. Attendez, je vérifie juste un truc. Ok, donc l'enregistrement a été bien effectué. Je regarde parce qu'en fait, si je sauvegarde ici et que en fait sur l'enregistrement mon micro n'était pas activé par exemple, j'aurais enregistré tout dans le vide et j'aurais tout perdu. Donc je fais bien attention. Ok, donc combat final. Oui, non. Oh, un arbre. Enfin, ma belle, ma sublime fleur de désolation a jailli de terre. Tant de beauté, vous devez trouver cela fascinant, vous aussi. Les plus belles floraisons sont celles de la douleur, et celle-ci ne fait pas exception. Sa sève, son suc, et l'énergie du Pokémon légendaire. Xeleko, je suis désolé qu'on t'ait dénié la victoire alors que tu avais trouvé la bonne réponse dans le laboratoire. Accepte mes excuses. Mais la course de ce monde est réglée par le frôlement, l'intersection, parfois le choc, d'ego et de sentiments contradictoires. Nous ne vous laisserons pas utiliser l'arme suprême. Les ressources de ce monde sont limitées. Que dis-je? Fini! Cette planète ne peut plus faire face au déferlement d'existence humaine ou Pokémon qu'elle subit. Si l'on ne rejette pas le monde, il faut vouloir le conquérir. Et le monde appartient à ceux qui le prennent, à ceux qui s'emparent de ce qui importe, argent ou énergie. Peut-être, mais ça ne vous donne pas le droit d'anéantir ceux que vous n'avez pas choisis. Alors dites-moi, j'ai souvenir que vous n'avez qu'un seul méga anneau. L'avez-vous partagé? Cela n'a rien à voir, nous nous sommes battus pour l'obtenir. Vraiment? Lorsqu'une chose est unique, elle ne peut être partagée. Il faut la prendre. La voilà la triste règle de ce monde. Les choses finissent par manquer et les gens se battent pour des miettes. Pour éradiquer la laideur de ces comportements et vivre dans un monde épanoui, sublime, il faut éradiquer les parasites. La nécessité, cette loi impérieuse de la nature qui régit tout, retient les germes de la vie dans les limites prescrites. Et la race des hommes ne peut y échapper par aucun effort de sa raison. Y a pas de tort sur le raisonnement, hein. Et les Pokémon alors? Genre. La parole, il pleure. Les Pokémon sont voués à disparaître. Leur existence est un miracle de la vie, et ils ont permis à la race humaine de se développer, et c'est précisément pour cette raison qu'ils finiraient par devenir des instruments de guerre. Mon devoir est d'empêcher pareille chose. Assez parlé, vous êtes ici pour arrêter l'arme suprême, il est de mon devoir de vous en empêcher. En garde! Encore? Mais je t'ai botté le cul au laboratoire, mec! Ça va refaire la même chose! Ça va refaire la même chose! Ça se passe en deux tours avant que mon Léviator y meure. Je fais une danse Draco. Il fait un pied voltige. Ah, une acrobatie. Encore une. Ça risque d'être tendu là. On va attaquer maintenant qu'on s'est bien buffé. Un croc de givre, histoire d'être sûr. C'est bon, il a assez de puissance. Là, il va faire appel à Léviator. Et voilà. Et donc là, il rebaisse mon attaque d'un cran. Donc j'ai que deux crans, et logiquement, deux crans, ça suffit pas. Pff.
Logiquement, je l'OS pas. En plus, il a pris deux levels. Purée, il était pas level 47 ou 48. Ouais, il est plus résistant que tout à l'heure, par contre. Bah, lui est un Pokémon qui résiste aux attaques physiques, comme ça, c'est sûr. Logiquement, j'encaisse. Hein. Oh, mais cette défense de fou! Donc ça, il m'OS mon Dimoclès, logiquement. Il me l'OS, donc là comme il a pris deux levels encore. Alors étant donné que c'est un Pokémon spécial parce qu'il avait utilisé Déflagration, je vais mettre mon Ronflex qui est blindé de défense spéciale justement. Et voilà, il l'encaisse de Déflagration mon gros Ronflex, c'est bien joué ça. Pas très très fort mon Ronflex, hein. Il est même pas ostabé, mais on s'en fout, le principal c'est qu'il est capable de tuer un Pokémon offensif assez facilement du coup grâce à sa résistance. Et voilà! Ah oui, son Corbos roche. Ah, coup critique. Ah, bon. C'est l'évolution de ton cornet, bon, ce truc-là. Il veut jouer au Pokémon volant. Comme quoi, tous les Pokémon n'ont pas les mêmes battements d'ailes. Hein. Regardez, les miens sont beaucoup plus rapides. Et quand le Pokémon est en rouge, toutes ses animations sont ralenties. Alors, ce qui est encore plus énorme sur un Magikarp. Parce que Magikarp, qui saute comme ça, blub. Quand il est dans le rouge, il fait blub, blub. C'est carrément en train de crever, quoi. Ça c'est bien foutu aussi. Ils ont vraiment bossé système d'animation 3D quand même jusqu'au bout quoi. Karchakrok niveau 60, easy. La volonté de protéger te donne de la force. Mais qu'as-tu donc à protéger? Un avenir qui s'assombrit de jour en jour. Le mec, je le vide de son pognon à chaque combat, mais plus je combat, plus il en a. Je n'en attendais pas moins, ta force et ton courage sont impressionnants, mais tu arrives trop tard. Ton espoir est évanoui. Que dis-je, mort? Descendez, voyez par vous-même. Il n'est jamais trop tard. Zeliko, il faut trouver le Pokémon légendaire. Nous sommes des dresseurs, nous devons protéger les Pokémon. Regarde, il y a une porte là-bas. Toi, tu seras pendu haut et court aussi. Allez! Dépêchons-nous. Les enfants et les nuisibles ne sont pas autorisés, pardon. Bah, n'est-ce pas la même chose? Nous avons un Pokémon légendaire à ne pas mettre en toutes les mains. Et les clauses de confidentialité. Ah, on s'en fout. Combattons! Est-ce que c'est du 2v2 là? Ouais! Est-ce que elle fait toujours appel à son Mystigrix ou je sais pas quoi? Ah mais Karchakrok c'est fini, il va tout faire quoi.
plus dangereux si c'est lui. Trop puissant. Karchalol. C'est vrai que j'ai pas bien joué, parce qu'étant donné que c'est une psy, elle aurait été plus forte sur le type combat. J'aurais dû la laisser faire psycho sur le combat. Ça se trouve, elle aurait peut-être fait un OS. Bah tant pis pour toi. Peut-être le prochain, je te le laisserai, parce que... Karchalol, il aime bien manger des Pokémon, à peu près une vingtaine de Pokémon par jour. Ah, par contre, ils sont pauvres. Team Flair, ça paye pas beaucoup, à peine le SMIC. Je comprends ce que Monsieur Lissandre a voulu dire, mais il se trompe de solution. Ah, peut-être sauvegarder aussi, par contre. Je n'arrive pas à croire qu'on ose nous envoyer, nous, la crème de la Team Flair, sur un boulot de dératisation. On n'ira pas plus loin. D'ailleurs, seuls les membres de la Team Flair ont ce qu'il faut pour aller loin dans la vie. Genre, si c'est pas prétentieux. J'ai pas envie de prendre une cage éclair, donc dans le doute. Oh non! Oh non! J'avais pas envie de prendre une cage éclair, bon sang. J'ai pris la statique, c'est pire. Enfin, c'est pareil, quoi. Bien joué, ça! Pour une fois que ça sert. Ah là 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 là! Perdre trop de temps sinon. Allez, roule. C'est quoi cette voix joleuse, quoi? Ouh, super efficace. Bon, elle a quand même encaissé. Aïe 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 aïe. Bon, faut le tuer rapidement. Sinon elle va. Faut le laisser en vie pour une fois. Et voilà, bien joué Karchalol. Quand est-ce qu'il y aura le Pokémon légendaire, donc on sauvegarde. Xdeco, Serena? Non. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Pardon, je sais que je suis un boulet. Plutôt une boulette. Mais on est des amis. On devrait pouvoir rester ensemble. Non, Sana, c'est moi qui dois m'excuser. Tu as risqué très gros pour venir ici. Et je n'ai pas essayé de me mettre à ta place. C'est toi qui as raison, en fin de compte. Nous sommes amis. Nous devons rester ensemble. Xdeco, elle peut nous accompagner, n'est-ce pas? Genre la gamine qui traverse tout le truc, quoi. Allez, soyons gentils. Mais bien sûr, tu peux. Nous allons droit au devant de la fin du monde. Viens avec nous. Bon, Sana, Xdeco et moi passons devant. Bon, Sana, Xdeco et moi passons devant. Tu nous suis, compris? Compris. Compris. Let's go. Nos plans grandioses n'ont pas encore complètement abouti. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur, c'est bien compris? Flair, Flair, FLR, Flair!
Les molos. Le ténèbre, il va à l'OS, le psy, là. Est-ce qu'on tente? Tunnel, c'est en deux tours, donc de toute façon, il y a que ça à tenter. Allez, vas-y! Bien joué, Karchalol! Tellement stylé, lui! Tu m'as fait baisser ma vitesse, toi, Shulkan. Easy, easy. Car chaque croque monte niveau 61. Mon plogiston, il s'évanouit, brûlé. Ah, mais ils sont pauvres. Ils donnent tous autant d'argent, par contre. Nous devons arrêter là, monsieur Prem, d'accord. On y arrive, on y arrive. Mince, un verrou électronique, que faire? Je peux peut-être vous aider. Lem m'a fait ce cadeau. C'est une machine qui permet de résoudre des puzzles quand on est coincé. Mais elle ne résiste qu'à un seul usage. Les verrous à code et les puzzles, c'est un peu la même chose, non? La porte est ouverte, oui! Mais la machine est cassée, comme il me l'avait dit. Sana, je suis époustouflé. Aussi bien Lem que toi, vous êtes plein de surprises. Parfait. Pokémon légendaire est à l'intérieur, il faut le sauver. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. On va soigner un petit peu tout ça. Alors. Non, oui, j'ai déjà eu dans les rappels pour trouver les rappels. Ok, nous sommes ready, on sauvegarde. Pokémon légendaire, me voilà! Non, cinématique, pas cinématique. Non, pas de cinématique. Ah. C'est la salle la plus profonde du complexe. L'atmosphère est étouffante. Dis, l'arbre c'est le Pokémon légendaire, ce truc n'a pas l'air d'être en vie. Boum, magie, hop là, et vos idées du génie. Cela ne vous regarde pas, Vermisseau. 99% de l'énergie du Pokémon légendaire a été transférée à l'arme suprême. Mais comme on n'est jamais trop prudent, il vaudrait mieux faire la chasse aux nuisibles. Mais j'en ai marre qu'on nous court après, espèce de monstre. Ma parole, nous nous retrouvons dans la même situation qu'à l'usine. Bon, Xeleko, occupe-toi d'eux, je protège Sana. Retrouvez les deux mioches et faites-les disparaître une bonne fois pour toutes. Utilisez un stratagème aussi primitif et réussir néanmoins à nous séparer en deux groupes. Restez sur regarde, ces enfants sont Rhytor. Mais crois-tu vraiment pouvoir tous nous battre? Totalement. Mais totalement, je vais vous écraser. Mais je sais pourquoi j'ai pas gagné beaucoup d'argent, c'est parce que mon Léviator était mort. Et oui, c'est mon Léviator qui me donne x2, c'est pour ça qu'il me donnait que 7000 au lieu de 14000. Alors on a perdu de l'argent, hein, on a perdu de l'argent sur cette affaire.
Ok. Presque OS avec les deux. Je veux tenter pour que je chante. Bah, tue-le moi, comme ça m'évitera d'utiliser un... Non, oh, chacal. Et voilà, c'est gagné. Léviator monte au niveau 50. Est-ce qu'il apprend quelque chose? Non. Ok. Bon, faut encore que j'enlève l'antiparac, leur donne des super potions. 7600, c'est tout. Je comprends pas, j'avais mon Léviator là pourtant. L'arme suprême absorbe l'énergie plus rapidement qu'un service des impôts, quoi. Génial, génial, génial. Utilise la capacité stockage une fois. J'ai jamais tout compris à ce Pokémon. Donc là, il augmente sa défense spéciale, ok. Faut pas que je l'attaque, c'est ça, sinon il absorbe les dégâts. Hein. Je sais pas trop. Relâche. Ah ouais, d'accord, ok, je vois. Et là du coup ça baisse énormément et il perd en stats. Mais il a augmenté 3 grades et il est descendu 2 grades. Ouais, donc ça pique un peu par contre. Maintenant faut attaquer, logiquement je devrais l'OS. Eh ben non, purée, c'est quand même costaud ce Pokémon. Ça augmente pas mal ce truc, hein. On va sauvegarder juste avant le dernier parce qu'on sait jamais si ça enchaîne sur le Pokémon derrière. Manager de la team Flair envoie Graiena. D'accord, intimidation, intimidation. Ah, il l'a pas. Ok. Non, ça devrait passer. Je pense 2, ça devrait suffire.
Ah, j'ai augmenté ma vitesse de 2, il me l'a fait chuter de 4, quoi. Chier. Il devrait être plus rapide maintenant. Ah ouais, forcément. J'aurais dû en faire une troisième. Graillena, je trouve joli comme Pokémon, mine de rien. Plombusard monte niveau 60. Aile d'acier. Ah ouais. Comme ça, on va voir l'animation. Ouah, mais il faut que je voie ce que c'est cette attaque. À chaque fois, elle me met des misères. C'est quand même un truc de ouf. Flex 52. Bon, on n'a plus qu'à ressusciter et puis c'est parti. On n'est pas loin du légendaire, je pense, là maintenant. Bizarre, c'est que je gagne le même nombre de pognon maintenant que mon Léviator il est en vie. C'est bizarre. C'est juste. Bizarre ça. Regardez vite fait. Oh, c'est pas grave. Fait chier de l'enlever tout ça. Bon, alors c'est toi le costaud. Ah, c'est parti, c'est le boss là, enfin le petit boss. Qu'est-ce que tu envoies? Monosferalto, c'est tout. On peut pas faire Pounède. Mais il est pas au level ton Osferalto là. Alors est-ce que je peux sauvegarder ou est-ce que ça part direct? Attention au suspense. Yes. C'est un cauchemar, il faut avertir le maître Lysandre. Des renforts, il faut des renforts, tu vas me le payer au centuple. Ah, on peut sauvegarder. Ok, donc, la dernière super potion. Et on réveille le légendaire, je pense. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Oui, je sais, je suis un sadique, mais c'est comme ça. Donc on sauvegarde. Et puis, bah, je vais vous donner rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Si vous l'avez aimée, celle-là, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Ah, je sens que vous allez me haïr, mais c'est pas grave. J'aime bien. Non, mec sadique. Bon, allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao.